Bulls fans. On a des rendez-vous toute la journée. On n'a même plus le temps de voir ce qui se passe en dehors de chez nous. On se concentre sur les cours du professeur Arcane. On rend visite à une amie pour s'assurer qu'elle va mieux. Et il faut aussi veiller sur les humains. Nous les guidons et les protégeons. Ça fait beaucoup dans une journée. Et en plus, il y a toujours un démon pour venir nous défier. La nuit tombe sans qu'on ait le temps de s'en rendre compte. Mais même si on est fatigué, on pense à ce qui nous est arrivé dans la journée. Et on prend quand même le temps de rêver à ce qu'on désire, mais qu'on n'aura jamais. Non! Et oui, il suffit parfois d'occuper notre esprit pendant la journée pour soigner notre cœur malade. Il faut y aller. Les cours vont bientôt commencer. Pourquoi tu es si pressée? On n'est pas en retard pour l'instant, tout va bien. J'entends la sonnerie, on doit y aller. Va et accomplis la mission de ta maîtresse. Reina t'a injecté un poison très puissant. Fais-en bon usage. Qu'est-ce qu'il y a? Le professeur est déjà là d'habitude. Il n'assurera pas ses cours aujourd'hui. Ah bon? Pourquoi? Arcane est à la Cité des Anges pour parler de l'incident des Grottes des Ténèbres. Il m'a chargé de vous le dire. Vous n'avez pas cours aujourd'hui. Ah, je vois. Pourquoi tu fais cette tête, Raph? On sera pas obligé de se concentrer en classe. On a de la chance, non? Mais qu'est-ce qu'on va faire toute la journée? Tu sais, si les cours te manquent tant que ça, je m'en charge. Oh non, j'ai une meilleure idée à te proposer, Raph. Tu n'as qu'à m'aider à protéger Arthur. Pourquoi? Il a des problèmes? Non. Enfin, pas pour l'instant. Je ne l'ai pas vu dans la cour. Parce qu'il est chez lui. C'est un jour important pour Arthur. Son père va passer le chercher. Vous savez, ses parents sont séparés. Arthur vit avec sa maman et son père travaille dans une autre ville. Il ne se voit pratiquement jamais. Super, je suis sûre qu'il n'y a aucun problème. Son père arrive, c'est génial. Je n'en sais rien en fait. Il est censé passer le chercher. Mais attends, tu veux dire qu'il ne pourra peut-être pas venir? Ça s'est déjà produit plusieurs fois et la déception était très forte pour Arthur. C'est triste. Et c'est pour ça que tu auras besoin d'aide pour veiller sur lui, hein? Cabalet essaiera sûrement de mettre son grain de sel. Dulce a raison. C'est une bonne idée que tu ailles avec elle pour l'aider. Tu es d'accord pour que je l'accompagne, mais tu ne viens pas avec nous? Non, pas cette fois. Je t'observe attentivement depuis notre retour des Grottes des Ténèbres. Et tu n'as pas essayé une seule fois de t'approcher de Sulfus. Oh. Ça prouve que tu comprends la situation et que tu mérites que je te fasse confiance. Waouh, merci. Oui, merci, Gabriel. Il parlait pas de toi. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour y aller? Arthur a besoin de nous. J'ai bien fait de laisser du temps libre à Raph. Parce que comme ça, je me repose aussi. Tu es tout seul? Hein? Tu as réussi à te débarrasser de ta débutante? Ne dis pas ça. Elle a fait beaucoup de progrès et j'ai estimé qu'elle méritait du temps libre. Mais oui, bien sûr, c'est ça. Tu peux me dire la vérité à moi, on fait le même métier. Je sais que c'est épuisant de suivre tout le temps quelqu'un. Ça ne me dérange pas. Où est Sulfus? Ne t'inquiète pas, il a fait beaucoup de progrès lui aussi. Il mérite un peu de temps libre. Je peux rester? Pourquoi? La compagnie d'un ange n'est pas une corvée pour toi? Si, mais je ne te considère pas seulement comme un ange. Tu es un gardien comme moi et ceux de ton espèce sont réputés pour être sympathiques. Hé! N'oublie pas le veto. Oh, je sais. Les anges et les démons n'ont pas le droit de se toucher. C'est le péché suprême, c'est vrai. Ah! Ah! Oh! Oh!
Oh, qu'est-ce que c'était? Je n'ai rien à voir là-dedans. Je ne me permettrai pas de te toucher. Mais alors? De toute façon, tu n'es pas du tout mon genre. Ça ne me dérange pas. Toi non plus. Tu préfères les anges comme Raph? Tu devrais avoir honte. Je suis désolée. Et de toute façon, je suis sûre que tu n'es pas son genre. Après tout, vous êtes très différents. Non, mais tu imagines, moi, tomber amoureuse d'un ange? Allons les voir. Alors, on est loin d'où habite Arthur? On est bientôt arrivé chez lui, mais tu sais, je voulais te dire que ça fait du bien de te voir un peu sans cette Micha. Elle a dit que j'avais fait des efforts et que je pouvais rester seule. Et alors, ça veut dire que tu ne penses plus du tout à Raph? Eh ben, c'est un peu plus compliqué que ça, mais cette histoire avec Raph sera bientôt un vieux souvenir. C'est une bonne nouvelle. Je suis contente pour toi. Je suis sincère. Bon, enfin bref, si tu me parlais un peu d'Arthur, j'espère qu'on va bien s'amuser. Oh oui, fais-moi confiance, on ne risque pas de s'ennuyer. Je te garantis qu'avec lui, tu auras ta dose d'émotions fortes pour la journée. Qu'est-ce que tu dis? Tu dois absolument venir. Arthur t'attend depuis plus d'une heure. Dépêche-toi. Je savais bien que son père ferait encore des siennes. Pauvre Arthur, ça doit le rendre terriblement triste. Vous êtes perdus, les anges? Raph, je m'attendais pas à te voir. Je suis venue donner un coup de main à Dulcé, mais je peux m'en aller si ma présence te dérange. Non, je voulais pas dire ça. Tu ferais mieux de faire attention, mon petit. Cette mise en garde est valable aussi pour toi. Arrête, c'est quoi ton problème? Ce sera un défi intéressant. Un défi qu'on va gagner. On se fiche du défi. Tout ce qui compte, c'est qu'Arthur en ce moment est malheureux. Alors arrêtez tous les deux. Allons voir comment il réagit. Tu pourrais quand même annoncer la nouvelle toi-même à ton fils. Parle-lui, explique-lui ce qui t'arrive, s'il te plaît. Comment ça, c'est à moi de le faire? Philippe! Allô? Allô? Oh. Arthur, je suis vraiment désolée. Ton père ne peut pas venir te voir. Il a un rendez-vous très important qu'il n'a pas pu décommander. Oh, et voilà, les ennuis commencent. Je t'avais dit qu'on s'amuserait bien. Où il va, à ton avis? Je l'ignore, mais on devrait le suivre. Vite, il est parti par là. Où il va, à ton avis? J'en sais rien, il est totalement imprévisible. C'est ce qui m'amuse chez lui. Il va finir par avoir un accident s'il continue à rouler aussi dangereusement. Il risque de se faire mal ou de faire mal à des innocents. C'est exact, mais on peut rien y faire. Oh! Fais un peu attention, chauffard! On n'a rien fait, mais on vous a battu! Et en plus, ça te fait plaisir. Tu réalises ce que tu viens de dire? Si jamais Arthur est blessé, ou s'il blesse quelqu'un sur la route, ce défi n'aura plus aucun sens. Je suis d'accord avec elle, pour une fois. Vous êtes tous dingues ou quoi? Vous voulez dire qu'on devrait faire quelque chose de gentil? On est des démons, on peut pas faire ça! Mais vous avez déjà gagné le défi, ça ne te suffit pas! Cabalé, s'il te plaît. Allez, c'est dans notre intérêt. D'accord, d'accord. Puisque tu insistes, qu'est-ce qu'on fait? J'ai une idée. Ah! Cette route est en travaux. Désolée, mais on ne peut pas passer par là aujourd'hui. Je te conseille de changer d'itinéraire. D'accord, comme vous voulez. À vous de jouer maintenant, Raph et Dulcé. Il devrait arriver d'une minute à l'autre. Parfait, à nous de jouer. Il faut nous transformer. Papilla, active la métamorphose. Cote, active la métamorphose. Je guide et je protège. Il arrive, à nous de jouer. Oh! Ta route s'arrête ici, mon jeune ami. Pourquoi? Je n'ai rien fait de mal. Et tu oses dire ça? Tu roules comme un fou, tu es un vrai danger public. Ah bon? Vous m'avez vu conduire?
Si vous aviez vu la tête d'Arthur quand il s'est retrouvé devant nous, il était tétanisé. Oui, il y réfléchira à deux fois maintenant avant de mettre sa vie et celle des autres en danger. Formidable, ça m'a donné la chair de poule de jouer les bons samaritains. Je vous en laisse la gloire. C'est vrai, on est des démons. Nous, ce qui nous plaît, c'est que les humains aient des problèmes dans la vie. Raph, mm-hmm. Sulfus. Oh, où t'étais passé? Est-ce que ça va? J'étais avec Dolce, tu étais au courant? Hé, hey, toi, je t'ai dit de ne pas t'approcher de Raph, tu as déjà oublié? Mais j'ai rien fait de mal. C'est vrai, je peux le confirmer. Viens avec moi, je ne supporte pas l'idée de te savoir avec lui. On s'en va. Viens avec moi, tu t'amuseras beaucoup plus qu'avec une petite chochotte qui ne pense qu'à sauver le monde ou à jouer avec ses amis. C'est excellent, l'araignée a merveilleusement accompli sa mission. Je croyais que vous vouliez qu'elle morde à nouveau Raph et Sulfus. Bien sûr, imbécile, tu ne peux pas comprendre mon plan. Pardonnez-moi, ma reine. À présent, Raph et Sulfus sont au courant de ce qu'ils ressentent l'un pour l'autre et pour l'instant, ils ont réussi à résister à la tentation de laisser aller leurs sentiments. Comment comptez-vous changer cela, ma reine? En utilisant un poison très puissant, Malakai, la jalousie. Lorsqu'ils verront l'objet de leur désir dans les bras de quelqu'un d'autre, ils seront obligés de s'embrasser et personne ne pourra les en empêcher, pas même le professeur Arcane. Soyez le bienvenu, professeur Arcane. Nous nous attendions à vous voir d'un moment à l'autre. Vous avez vu ce qui s'est passé aux Grottes des Ténèbres? Nous l'avons senti et nous l'avons vu, oui. Et vous savez aussi que ce n'est malheureusement pas la première fois que l'on s'en prend à une de mes élèves. Oui, Raph, l'élu. Si je veux la protéger, il faut que je sache qui lui veut du mal et pourquoi. Vous connaissez notre ennemi? Les animaux féroces qui nous ont attaqués aux Grottes, ils viennent des Ténèbres. Oui, en effet, professeur. Cela me rappelle une vieille légende très connue. Une histoire que l'on murmure dans les rues de la Cité des Anges depuis des siècles. L'histoire d'un être neutre. Ça suffit maintenant. Vous ne devez pas en parler en notre présence. Mais je dois savoir quel danger Raph va affronter. Vous ne saurez rien de plus. Vos élèves sont en danger et vous devez les préparer à l'affronter, professeur. Mais ce sont des élèves. Elles ont encore tant à apprendre. Il faut du temps pour former de bons anges gardiens. Nous le savons, mais le temps nous fait cruellement défaut cette fois. Allez-vous-en, retournez vous occuper de vos élèves. Elles auront besoin de vous pour les guider et les protéger.